En fait, je me demandais, au vu de leurs caractéristiques culturelles, est-ce que les Turcs sont avantagés ou désavantagés par rapport à une situation de pandémie? On va voir ça ensemble. Türkiye'de ve Gaziantep'te koronavirüsün tedirginliği devam ederken vatandaşlar marketlerin raflarını boşaltıyor. Evet, bu virüsün 2 haftalık kuluçka döneminde belirti vermediğini ancak insandan insana bulaştığını biliyoruz. Yok bir şey yok. Panik yapmayın. Panik yap! Panik yok! Gel öyle! Panik yapmayın! Sakın gençler korkmayın. 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 Hiç panik yok. Hiç panik yok. Panik, panik yok. Çok eğlenceli. Çok yani olayı abarttılar çok yani. İnsanlar şahitsin. Şantandeydi. Virüsü virüsü bana dokunma diyor. Nereden biliyorsun olup olmadığını? Yok lan yaksın yok oraya. Ne demek ya? Ben de maske takıyorum. Olabilir böyle şeyler. Şiddete kadar giderse kötü olur. Koronavirüs şüphesi tedirginliği toplu taşımada insanları birbirine düşürdü. 80 milyonda bir ihtimal insanları nasıl korkutmuş, nasıl evhallendirmiş ki marketleri yağmalıyorlar. Maske satışları tavan yapmış, dezenfektanlar bitmiş, herkes makarna kalmamış, un kalmamış. Nedir bu telaş? Koronadan ölme ihtimalimiz 80 milyonda bir ihtimal iken bizim ölme ihtimalimiz %100. Salut à tous! Ce serait cool de voir ensemble un sujet culturel par rapport aux Turcs qui serait relié à l'actualité étant donné que c'est difficile d'enlever ça de notre tête et de se divertir avec des choses, mais on a aussi besoin de sujets un peu plus légers. Donc je suis là pour ça aujourd'hui. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de culture turque et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter 8 aspects de la culture turque qui font partie intégrante de la culture turque et qui sont importants dans ces moments de pandémie parce que justement c'est là qu'on voit si les Turcs sont avantagés ou désavantagés par rapport à leur culture dans une situation de crise sanitaire comme on en a une actuellement. Artık önlemleri ciddiye almanın zamanı geldi. Ne yapılacağı belli ama bunların bazılarında sıkıntı yaşayabiliriz çünkü Türkiye halkının alışkanlıklarına ters. Alors premièrement, j'avais envie de parler du fait de se laver les mains parce que c'est la première chose qu'on vous dit depuis des semaines et des semaines, c'est lavez-vous très régulièrement les mains. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment une discipline dans laquelle les Turcs, ils excellent. Parce que si vous saviez le niveau de lavage de mains qui se produit en Turquie, c'est vraiment une phrase typique des mamans. Lave-toi les mains, ellerinika. Dès que t'es petit, c'est ancré dans ta tête par ta mère, tu vois qu'il faut que tu te laves les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elimi yıkıyorum ben. Et donc du coup, bah... En fait, quand tu grandis, t'es obligé d'avoir cette habitude extrêmement souvent de te laver les mains à la moindre activité. Donc, chez les Turcs, c'est pas difficile. Et notamment, j'aimerais vous donner l'exemple du kolonya. J'ai vu sur internet qu'il y avait des jeunes qui donnaient du kolonya un peu partout dans la ville et tout, autour d'eux. Et en fait, la culture du kolonya, il faut qu'on en parle quand même. Donc, le kolonya, c'est de l'eau de Cologne. Et pour la petite histoire, ça a été découvert dans la ville de Cologne par un Italien dans les années 1700. Et petit à petit, ce produit, qui était au final un parfum en fait à la base, a fait son chemin vers l'Empire ottoman. Et les Turcs se sont réappropriés ce produit. Et donc, il me semble que c'était la société Tunger, je vous mettrai le nom là, qui a été la première société à faire des colonias. D'ailleurs, actuellement, les gens ont fait une razzia des colonias de cette marque, je vous le dis, hein. Tout le monde est dans le même bain. Donc le kolonya c'est quoi? C'est un produit liquide qui est composé à entre 70 et 95% d'alcool et le reste c'est de l'eau et des senteurs, des huiles essentielles, etc. Et en fait ce produit-là, c'est un produit qui se trouve dans toutes les maisons turques. Bon, dans les nouvelles générations, ça se fait un petit peu moins, mais c'est vrai que moi, quand j'étais petite, dès qu'il y avait un invité à la maison, je devais aller lui verser le kolonya dans les mains. C'était la première chose à faire. Aussi, le kolonya, il est énormément utilisé après les toilettes, notamment les toilettes publiques. Quand vous allez aux toilettes, dans les toilettes publiques en Turquie, souvent, à la sortie des toilettes, on vous donne un mouchoir en papier et on vous verse du coup, de l'eau de Cologne, du kolonya dans les mains. C'est pas pour remplacer le lavage de mains, parce que tous les Turcs se lavent les mains après les toilettes. Je sais pas ce que vous faites dans le reste du monde, mais il faut s'y mettre maintenant, quoi. Et du coup, on vous donne le mouchoir en papier pour que vous vous essuyiez les mains, ce qui est pas très écologique, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on vous met du kolonya dans les mains pour que vous éliminiez les résidus. Alkolleri de böylece anlatmış olduk.
dans la même catégorie, j'ai envie de parler du PQ. On en parle du PQ ou pas? Parce que il y a quand même pas mal de polémiques là-dessus et j'ai pas encore compris pourquoi les gens font une razzia de PQ. Mais bon, chacun ses peurs. Clairement, je pense que les Turcs, ils n'ont pas cette frénésie d'acheter du PQ. Pourquoi? En fait, c'est simple. Les Turcs n'utilisent pas tant de PQ que ça. Il existe encore les toilettes turques, effectivement, dans beaucoup de maisons, on les construit encore. Donc, vous avez les toilettes normales et les toilettes turques. Et en fait, les toilettes turques, c'est surtout de nos jours les personnes de plus de 50 ans qui sont de la vieille génération. Ils font leurs ablutions dans ces toilettes-là parce que c'est beaucoup plus pratique, parce que tu peux mettre de l'eau partout, on s'en fout. Du coup, c'est une habitude qu'ils ont pris de faire leurs ablutions dans ce type de toilettes. Mais pour ceux qui utilisent encore ces toilettes, déjà, elles sont extrêmement propres. Faut dire ce qui est. Les Turcs sont tellement propres que ils lavent le truc au Karcher, voilà, c'est de la javel tous les jours, quoi. Et ce qui est pratique aussi avec ces toilettes, c'est que il y a un robinet en fait dans ces toilettes là et un petit seau. Et en fait, la culture veut que tu te laves le voilà les parties quoi avec de l'eau en fait. Il y a du PQ dans ce type de toilette, mais c'est pas nécessaire en fait. Et pour en revenir aux toilettes à la française qui existent dans tous les foyers. Tous les foyers turcs ont des toilettes françaises que vous connaissez vous aussi, sauf qu'il y a une petite différence, c'est que, en fait, vous avez les toilettes. Imaginez que je suis assise sur le trône, et bien à l'arrière du rond là, du cercle sur lequel je m'assois, il y a un petit jet, et donc à la hauteur de votre main, vous avez un petit robinet pour enclencher ce jet. Et en fait, ce jet là, c'est un jet d'eau qui est là pour vous permettre de laver votre derrière avec vos mains. Donc en fait, c'est pas la peine vraiment d'utiliser du PQ quoi. Et honnêtement, moi je peux pas faire sans ce robinet, il est vraiment indispensable. Et du coup, je pense que c'est pour ça que après être allé aux toilettes, bah, les Turcs ils se lavent doublement les mains et après ils se mettent du colonia en plus dessus pour avoir vraiment aucun microbe sur les mains. Donc niveau PQ, on est bon. Là maintenant, j'ai envie de parler du cloisonnement, qui serait peut-être un désavantage pour les Turcs parce que je vous ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos et sur mon blog, etc. Les Turcs, ils sont pas trop faits pour rester à la maison. Ils adorent être dehors, ils adorent être en communauté, ils adorent être les uns avec les autres, ils adorent faire leur petite marche du soir, ils adorent aller chez le voisin, etc., etc. Je vous en ai déjà parlé. Donc le cloisonnement, c'est quelque chose qui est quand même un challenge, je pense, pour les Turcs. Ne gibi önlemler aldınız? Kalabalık yerlerden uzak durma. Kalabalık yerlerden uzak durma. Tabii, etrafımız. Siz şu an kalabalık bir yerde değil misiniz peki? Şu anda toplandılar, kalabalık olduk, kaçmak. Şu an İstanbul'un en kalabalık yerlerinden ya birindeyiz. Şimdi... Abi burada oturuyoruz da güzel, bak altta içeceğiz. Kalabalığa çıkma diyorlar genelde. Ne çıkacak ki ya? Ya biz mi yaşayacağım abi? Böyle şey mi olur ya? Je dirais même que le contact humain, c'est une question de survie un peu pour les Turcs parce qu'ils sont vraiment très 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 communautaires et très, tu vois, ils adorent être ensemble, etc. Donc ça va être un petit peu difficile. J'ai aussi envie de parler de la proximité parce que, en fait, les Turcs sont des gens très tactiles. Et donc, je pense que ça aussi, ça va être un challenge de ne pas toucher les gens, de ne pas les embrasser. Klasik Türk tipi selamlaşmaya biraz ara vermek lazım. En azından öpüşmemek için gayret gösterin. Gerçi siz öpüşmek istemeseniz bile biri tutup gelip sizi zorla da öpebiliyor. Elinizden geldiğince dikkat edin. Diyorum, ben sıkarım. Yani devam ediyorum ben. Kafa kafaya gelirim ben. Yani şöyle şunu yaparım mı? Şimdi burada hiçbir nefes teması yok. Je dirais même que au début, les gens qui n'ont pas encore compris que la situation était quand même assez alarmante, eh ben, il pourrait mal le prendre. J'ai même appelé ma mère qui m'a dit, je lui dis surtout ne touche pas tes amis, mais ça fait longtemps que je lui dis ça en fait. Et en France, c'était pas encore, les gens n'avaient pas encore compris la gravité de la chose. Et donc quand j'ai dit à ma mère, bah maman ne touche personne, n'embrasse personne, ni ta voisine, ni ma tante, elle m'a dit mais ils vont mal le prendre. Effectivement, les Turcs peuvent mal le prendre si vous les rejetez. Au niveau du contact physique, ça peut être compliqué, mais c'est quelque chose de nécessaire à faire et j'espère que tout le monde va le faire parce que c'est très important, c'est quasi primordial en fait dans toute cette histoire. Il faut garder ses distances. Evden çıkmıyorsunuz, değil mi teyze? Efendim. Evden çıkmıyorsunuz, değil mi? Çıkmıyorum. Çocuklarım var karşı taraftan.
Gelmeyin, kapıyı açmam dedim. Un truc quand même positif, je dirais, c'est que les Turcs sont un peu, malheureusement, habitués aux situations de crise. Effectivement, quand vous vivez dans un pays avec des hauts et des bas au niveau politique, au niveau militaire, que vous avez des coups d'État, que vous avez des crises économiques quasi quotidiennes et que vous savez pas du tout de quoi sera fait le lendemain, que vous vivez un petit peu à crédit parce que voilà, la vie est dure, et que bah, en fait les états d'urgence c'est quelque chose de banal et de quotidien, et ben ça vous forge un caractère. Je sais pas si c'est quelque chose de bien ou de pas bien, mais quand vous avez cet état d'esprit, et ben vous avez un peu plus de facilité à relativiser les choses. Et je dirais que les Turcs sont un peu comme ça. Je dis pas qu'ils paniquent pas, je dis pas que cet état de crise ne va pas les rendre un peu zinzin comme on le voit dans certains pays. Mais je dirais que ils prennent les choses de manière un peu plus pragmatique et un peu plus, bon bah, encore une épreuve quoi. Et ça, on s'en rend pas compte quand on vit dans un pays comme la France ou comme des pays européens très stables. En fait, il y a beaucoup de pays qui sont habitués à ce genre de choses. Quand t'es pas habitué, comme en France, et ben tu peux vite perdre la boule en fait. Et moi, quand j'ai fait mon passage de la France à la Turquie, au début, j'avais pas trop compris ce truc-là et j'arrivais pas à m'adapter. Mais aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma vie. À moins qu'on me pousse le bouchon, tu vois, comme les médias sont en train de le faire, à te bombarder d'informations qui te font augmenter ton taux d'anxiété, tu vois. Et ben, au final, je suis assez sereine, en fait. Je suis assez pragmatique sur la situation et j'arrive à me tempérer. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même un avantage que les Turcs ils ont par rapport à d'autres pays. Même si c'est un peu triste, en fait, d'avoir ce type d'avantage. Tu vois ce que je veux dire? Un autre point important qui peut être en défaveur des Turcs, c'est qu'ils aiment énormément le drama. Donc, malheureusement, on a été baignés, bercés aux séries turques. D'ailleurs, si vous voulez regarder des séries turques, parce que vous êtes à la maison, vous savez pas quoi faire et tout, je vous mets un article en barre d'infos qui vous donne toutes les séries turques que moi j'aime. C'est pas forcément les séries turques qui ont été exportées et qui sont connues mondialement, mais c'est des séries turques, tu vois, si t'aimes Black Mirror ou si t'aimes des séries qui font peur ou des trucs comme ça, et ben ça peut te plaire. Donc je vous mets le lien des séries que je vous conseille en barre d'informations. Malheureusement, ça c'est un peu à leur défaveur parce que ça engendre, ça entraîne un peu de psychose et un peu de, tu vois, cet esprit où t'es dans la théorie du complot. Bu tamamen kurgulanan bir senaryo diye düşünüyorum. J'ai aussi envie d'aborder le fait de porter un masque parce que, en fait, en Turquie, ça va être chaud de porter un masque parce que déjà que les Turcs, ils se mouchent pas dans les transports en commun parce que c'est considéré comme étant ayıp. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire le mot ayıp. Je vous renvoie à la vidéo entière que j'ai fait sur le mot ayıp, où j'étais un peu drama queen d'ailleurs. Se moucher dans les transports en commun en Turquie, c'est considéré comme étant irrespectueux. Donc imaginez le fait de mettre un masque, ça va être un peu tendu, je pense. Ils vont trouver ça bizarre, c'est pas du tout dans les habitudes culturelles. Genç bir kadının maske taktığını görünce neden bu kadar korkuyorsunuz diye tepki gösterdi. İstersen maske takarım, istersen başka bir şey yaparım, istersen oraya buraya dokunmam. Et aussi, les Turcs, tu vois, c'est des grands fumeurs et c'est des grands mangeurs. On a besoin d'avoir accès à notre bouche pour pouvoir fumer, pour pouvoir manger, etc. Pour la plupart des Turcs, donc du coup, ouais, c'est un peu compliqué l'idée de porter un masque, mais bon, encore une fois, si c'est nécessaire, bah, il faut le faire. Et dernièrement, j'ai envie de parler d'un truc que j'adore chez les Turcs. C'est l'humour, parce que les Turcs ont énormément d'humour et ils savent être dans l'autodérision. Ils savent rigoler du pire, parce que il faut, en fait, il faut rigoler du pire parfois. Il faut se dire, bon bah, on est dans la merde, autant en rigoler quoi. Il est moins sarcastique que l'humour français. Et ce qui me gêne un peu dans l'humour français, c'est qu'il y a trop de sarcasme. Et quand je me prends, parce que moi je suis française quand même, hein, j'ai grandi en France, et ben quand je me surprends à utiliser du sarcasme dans mon humour, et ben je suis pas contente de moi-même en fait. J'aime pas cette façon d'avoir de l'humour. Les Turcs sont, ils en ont un petit peu, mais ils sont plus dans l'autodérision que dans le sarcasme. Koronavirüs yeni yepyeni oyun havası. Yarasa koymayın dedim oğlum, çorbaya yarasa olur mu lan? Je trouve que c'est un très gros avantage. Et honnêtement, j'ai quelques comptes Instagram dans lesquels je vais quand je sens que j'ai un petit coup de mou.
et que j'ai pas envie de voilà de regarder les news et tout, déjà qu'on est bourré d'informations, c'est incroyable. Et ben, ce que je fais, c'est que je vais sur ces comptes-là qui ne postent que des trucs marrants. Et en ce moment, ils ne postent que des trucs marrants en rapport avec la situation sanitaire mondiale. Je me marre, mais les gars, je me marre comme pas possible. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, 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 satisfaction. Voilà, c'est terminé, on en a fini avec cette vidéo. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez que les Turcs sont avantagés ou désavantagés dans cette situation? Vous noterez quand même que j'ai pas dit le mot qui commence par co, du coup le coco quoi. Tu sais, c'est le mot qui te contracte tes muscles tellement il est terrorisant et il t'amène de l'anxiété. Donc j'ai décidé de pas l'utiliser et je vous conseille aussi, avec votre entourage, arrêtez d'utiliser ce mot. Je pense qu'il fait plus de mal que vous ne le croyez. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, liker la vidéo, faites ce que vous voulez. Vivez votre vie les gars, vivez votre vie. Bon, et n'oubliez pas de rire. Ne var, ne gülüyorsunuz, ne var gülecek bunda. Korona korona çıktın dünya turuna, oy korona korona çıktın dünya turuna, bize gelsen ne yazar maske taktık buruna, bize gelsen ne yazar maske taktık buruna, virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna, uzaklarda yarim var ben ölürsem korona, virüs yayacak mısın yaysan doyacak mısın, bu kadar söz üstüne bize kıyacak mısın.